c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Voilà, j'ai reçu ça ce midi dans ma boîte aux lettres. Donc le colis à peu près bien, on va dire, à part là, je pense qu'il a dû être vérifié à la douane. Je sais ce que c'est parce qu'il y a la photo dessus. Voilà. Et du coup, bah écoutez, on va l'ouvrir tout de suite. Je voulais juste vous dire avant, parce que j'ai énormément de messages en ce moment sur Facebook, je vous poste l'avancée de ma Gorgeous que je suis en train de faire. Et j'ai énormément de questions à savoir où je l'avais commandée. Donc, c'est très simple. Les Gorgeous, il y a des vendeurs qui en vendent sur AliExpress, mais je trouve qu'ils les vendent hyper cher. Donc du coup, moi, je ne me suis pas embêtée. Je l'ai fait faire en personnalisé sur Home Fun Official Store quand ils étaient en promo. Voilà, j'avais trouvé ma photo sur Google et du coup, dès que j'ai vu que les prix, donc je l'ai choisi en 30 par 40, dès que j'ai vu que les prix me convenaient, et bah, du coup, je leur ai demandé de me la faire et je l'ai payé direct. Comme ça, au moins, je suis sûre que le prix me convient. Et voilà, donc voilà où j'ai trouvé ma Gorgeous. Et donc moi je vais sur Google Images en général, je marque Gorgeous et alors là vous en avez plein. Et j'ai choisi celle qui me plaisait le plus. Voilà, donc petite parenthèse refermée, on va ouvrir ce colis. Alors ce n'est ni mes piluliers, hein, toujours pas. Et non plus j'ai une toile que je dois recevoir depuis le 31 mars, qui est en France depuis le 31 mars, que je n'ai toujours pas reçue. Donc, vous voyez, je reçois des colis, mais je suis quand même un peu embêtée. Alors, la toile n'est pas très dans un très bon état. Elle est enroulée sur elle-même comme ça, vous voyez, dans le... Donc, c'est bien parce que c'est des coussins d'air. Mais bon, ça ne protège pas non plus, vous voyez là. Bon, c'est que le bord, mais bon. C'est pas top top, hein. Alors... très grande, je trouve. Normalement c'était censé être une 40 par 40. Ouais, alors ce sont des diamants carrés. Voilà, donc je vais vous montrer la toile tout de suite. Donc ça c'était carrément un craquage que j'ai eu. C'est pas du tout mon style de toile que je commande d'habitude, mais là quand j'ai vu l'image sur AliExpress, Je sais pas pourquoi j'ai craqué, mais là pour l'instant je suis un peu déçue quoi. C'est un petit peu en vrac. Ouh là 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 là, je sais pas ce que c'est cette couleur là, mais il y en a beaucoup. Ah ouais, là j'ai des rivières. Non, pas top. Alors je vous montre que ça donne. La qualité de la toile est vraiment pas terrible. Elle est carrément abîmée, il y a des rivières, c'est pas top du tout. Voilà, donc c'est une femme avec un chapeau. Et en fait j'ai craqué sur l'image parce que quand je l'ai vue, eh bien ça faisait des brillants un peu partout et j'ai trouvé ça super joli. Voilà, je vous la montre un peu mieux. Donc je ne pense pas qu'il va y avoir du brillant, hein, parce qu'il n'y a pas de diamants spéciaux. Mais c'est pas du tout le genre d'image que j'aime bien. Et pourtant, j'ai carrément craqué dessus. Alors, je vais essayer de bien remettre le papier, parce que déjà que la toile n'est pas terrible, si en plus je fais des rivières, bah alors là, c'est fini. Voilà. Bon bah celle-ci, je vais bien la garder à plat parce que... Alors, avant de passer au diamant et au kit, je vais vous dire quand je l'ai commandé. Alors, femme au chapeau, je l'ai commandé le 19 avril. Et aujourd'hui, nous sommes, si je ne me trompe pas, vendredi 29 mai. Donc, ouais, hein, un mois et 10 jours déjà.
Et puis quand je vois encore tout ce que j'ai pas souligné, là, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, tout ce qui est pas souligné, c'est tout ce que j'ai pas reçu. Hein. Donc mes pilules, je les ai commandées le 6 avril, donc vous voyez, on est le 29 mai, je ne les ai toujours pas. J'ai mes étiquettes que je vous avais parlé il y a un moment. Eux, j'ai carrément ouvert un litige parce que ils me répondent qu'à moitié, ils me disent en gros que c'est à cause du coronavirus. 19 mars, hein, s'il vous plaît. Hein. Ça fait 2 mois et demi. Au bout d'un moment, le coronavirus, il a le bon dos. Hein. Donc, faut pas abuser. Et puis après, donc il me manque 1, 2, 3, 4 toiles. 4 toiles que j'ai commandées mi-avril à peu près. Donc, ça fait plus d'un mois. Un mois et demi. Et puis c'est des petits stylets après, des petits sachets, voilà, tout ça. Donc là ils sont un petit peu à la bourre quand même. Mais bon, j'ai beaucoup de toiles. Je sais que là sur ce que je vous ai dit, j'ai dit il manquait combien de toiles? 3. Les 3 ils sont arrivés en France et ils sont à la poste depuis un moment. Donc je ne sais pas ce que la poste fait avec mes colis. Je veux bien qu'il y a la douane, je veux bien qu'il y a le coronavirus, donc ils les mettent un petit peu en décontamination, on va dire. Mais bon, quand ça fait 2 mois et demi, 2 mois qu'on les a commandés, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Bref, on va changer de sujet parce que ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Vous voyez, je reçois des colis, mais sincèrement, j'en ai plein un peu comme vous. Donc, celles qui ont commandé que 2-3 colis, bah, je suis désolée, mais je comprends pourquoi ils sont bloqués. Parce que vous voyez, moi aussi, c'est complètement bloqué. C'est... Enfin bon, bref. Donc, une petite coupelle blanche. Donc là, c'est la toute petite. Oh, elle est bien taillée pour une fois. Un demi pain de colle. Alors ça, par contre, c'est cool. Ils ont mis des petits sachets. Y en a pas mal en plus. Donc c'est super sympa. Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai 2 stylets. Donc un rose, un transparent pailleté. Les embouts, ce sont les mêmes. Hein. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous montre, c'est les mêmes embouts. Par contre, au bout, ils ont mis des embouts différents. Donc, j'ai un 4 et un 10. Voilà. Moi personnellement, je ne m'en sers pas. J'ai déjà testé. Moi, c'est mon plaisir de les mettre un par un. Donc, en plus, avec les carrés, je trouve ça encore moins pratique que les ronds. Donc, je ne m'en sers pas. Mais bon, je les garde. Ça peut toujours servir. Alors, ensuite, j'ai oublié de vous dire... Du coup, je me plains pour mes colis, mais j'ai oublié de vous dire... que cette toile, je l'avais payée, donc c'est une 40 par 40, je l'ai payée 9,78 €. Et le vendeur, c'était Camille Handmade Craft Store. Voilà, donc ça c'était un test. Bah écoutez, pour l'instant, le test il est raté hein, parce que quand je vois l'état de la toile, ça me donne pas trop envie de recommander chez eux. Et je me demande même si j'ai pas commandé autre chose plus tard chez eux. Ça me dit quelque chose ce vendeur. Non. Non. Bref, après, moi, je vous ai dit, je fais des tests. Quand il y a des vendeurs qu'on ne connaît pas trop, qui sont bien, je le dis. Mais quand c'est pas très bien, je le dis aussi. Et sincèrement, là, pour moi, dès le début, c'est mauvaise impression. Voilà. Alors, on va regarder les diamants. Donc, petite feuille, ça c'est point positif. Voilà. Il y a. Alors, ça, ils sont casse-pieds parce qu'ils ne mettent pas le chiffre. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a quand même 36 couleurs. Donc, ça c'est sympa. Voilà. Alors, déjà, ça commence bien. Il y a un sachet. Regardez. J'ai un sachet qui est vide, j'espère que j'en ai pas besoin de 4. Et je trouve que j'ai pas énormément de diamants pour un 40 par 40. Bon, après, il y a énormément de noir, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que, voilà. J'ai des diamants qui se promènent. Ouais, non, pour l'instant, c'est pas très... Non, ouais, voilà, quoi, regardez. C'est pas top, quoi, d'avoir ça... Non, bah écoutez ce qu'on va faire, je suis à combien là, 9 minutes, allez, je me dépêche, on va vite fait contrôler les diamants ensemble, comme ça vous aurez mon avis jusqu'au bout sur ce vendeur, parce que pour l'instant je suis pas très très contente. Alors 315, il m'en faut 2, ok, ensuite 154, 5, hop,
Je vais vous parler d'autre chose en contrôlant quand même, parce que sinon ça va être long pour vous. Mais ouais, vous voyez, ça permet en faisant des tests comme ça, au moins vous savez. Après, c'est que mon avis personnel. Hein. Si vous, ce vendeur-là, vous avez déjà commandé et que vous adorez, vous avez tout à fait le droit. Mais moi, pour ma première commande, là, je suis un petit peu déçue quand même. Alors, 646, on va voir tout de suite. Non, ça va, il m'en faut qu'un sachet. Donc ça, c'est pas trop grave. 648, les diamants, ils sont comment dedans? Je ne sais pas trop. Le 38,65, il m'en faut 3. Les diamants, ça a l'air d'aller. Pour l'instant. À moi, quand il y a un truc qui ne va pas, du coup, je me méfie surtout. 778, c'est bon. 632. C'est vrai que ça donne pas. Quand on commence par ouvrir. Déjà, le colis, il n'était pas non plus super, super bien emballé, on va dire. La toile, il n'y avait même pas de petits rouleaux là en mousse, vous savez. Elle était pliée comme ça. 4, 6, 7. Donc, deuxième mauvaise impression. Ensuite, bah, la toile, bon, elle colle bien, certes, hein, mais il y a des rivières et puis elle est à moitié biscornue, là, enfin, ça ne me plaît pas trop. 30-31. Les diamants, ça a l'air d'aller, hein, pour l'instant, de ce que je vois. C'est pas non plus... j'en ai bien 4, oui. C'est pas non plus nickel nickel, mais au niveau de la taille, ça a l'air d'aller à peu près. Il n'y a pas des gros trucs crado, il n'y a pas de trous. Ils ont l'air d'être plutôt bien découpés. Après, de toute façon, j'ai envie de vous dire, les diamants, ils ont beau être parfaits. Hein. Tant qu'on ne les a pas posés sur la toile, on ne peut pas savoir. 819. Là, ils ont l'air d'être plutôt bien taillés. Mais tant qu'on ne les a pas posés sur la toile, on ne saura pas si ils sont vraiment bien adaptés à la toile ou si c'est la toile qui est, voilà, qui est pour bien adapter au diamant. Mais c'est le seul moyen de s'en rendre compte. 453. Bah, j'en ai pas. Cette couleur-là, je ne l'ai pas. Oh, ça sent mauvais. Moi, je vous le dis, je ne sens pas du tout ce vendeur. 823. Il m'en faut 2. 37,27. 356. 38,61. Celui-là, vous voyez. Hop, on en met plus près. Parce que ceux-là, ils sont clairs, on les voit bien. Ils sont plutôt de bonne qualité. Hein. Voilà. Mais bon, là déjà, quand je vois que j'ai une couleur que j'ai pas sur ma feuille, ça sent mauvais quoi. À mon avis, ils ont dû se tromper dans quelque chose. 612. C'est la première fois que ça va m'arriver. Ça m'étonnerait qu'ils m'aient mis des sachets en plus comme ça, cadeau, qui n'ont rien à voir avec la toile en plus. Le noir, je le garde toujours pour la fin. 38,58, ça c'est bon. 860. Non, 30. Ouais, j'ai eu peur, j'allais dire ça y est, en deuxième, non. C'est 38, j'ai pas vu le 3. 38,57. 38,24. 225. Et le 310. Ça c'est du 310 aussi ou pas? Alors ça c'est pareil, je comprends pas. Les écritures noires, c'est très bien, vous voyez, sur du rose, on les voit super bien, voilà. Par contre, sur le noir, enfin, je sais pas, les gars, mettez une couleur blanche ou mettez du doré, enfin, j'en sais rien, mais on voit pas bien, quoi. Donc là, j'en ai. Ça, ça doit être des sachets de 1000. Donc, normalement, les gros sachets comme ça, ce sont des sachets de 1000. Regardez la différence. 200, 1000. Voilà. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11. 11, un sachet de 1000, ça fait 5 sachets comme ça, on est d'accord, 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça. Donc ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 58, 59. Et ben voilà, ça continue bien. Alors je vais regarder si j'en ai pas oublié un. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56, 57, 58, 59. Alors déjà, il me manque 10 sachets de 310. Donc ça m'énerve. Et ensuite, voilà, donc j'ai du 453 au lieu du 543. Eh bien, écoutez, ils vont avoir un petit mail sympa, hein. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai pas le compte de mes sachets parce qu'ils se sont plantés dans cette couleur-là. Et en plus, ils ont oublié de me mettre du noir. Donc, je vais faire des photos. J'aurais dû prendre la photo du colis aussi parce que sincèrement, c'était pas correct du tout. Et puis, je vais leur faire une petite réclamation pour qu'ils m'envoient tout ça. Vous voyez, j'ai bien fait de vérifier avec vous. Comme quoi c'est très important de vérifier ces sachets dès qu'ils arrivent parce que sinon après c'est mort. Là, si j'avais confirmé ma réception, terminée. Et donc je vais leur faire je vais leur envoyer un petit message et puis je vais demander mes sachets. Donc écoutez, on a dit le vendeur Camille Handmade Craft Store, je ne conseille pas du tout, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous aurais dit mon point de vue. Moi, je suis pas du tout d'accord. Il n'y a rien qui va, ça ne me plaît pas du tout. Et voilà. Et c'est ça qui est bien de tester parce que si un jour je craque sur une toile et que je vois que c'est ce vendeur-là qui la vend, eh bien écoutez, je la ferai en perso ailleurs, mais plus chez lui. C'est terminé. Donc, je vous redirai dans mes autres vidéos par rapport à leurs réponses, ce qu'ils me diront et tout ça. Mais là, non, je suis pas du tout satisfaite. Voilà. Bref, sinon ça m'a fait super plaisir de faire cet unboxing avec vous. Enfin, j'ai pu vous retourner une petite vidéo parce que là j'ai repris le travail, donc du coup c'est un peu tendu, hein, j'ai plus trop le temps. Donc je suis super contente d'avoir pu vous faire cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Salut !